Noël, disait l'abbé Pierre, c'est aussi la joie de donner à ceux qui n'ont rien. Je suis un peu dans le noir parce qu'il est 8 h 40 du matin. La fenêtre est grande ouverte devant moi, mais on est le 17 décembre et il n'y a pas beaucoup de soleil pour éclairer cette vidéo. Et franchement, j'ai pas envie d'allumer une grande lumière derrière moi. La lumière que vous voyez là, j'ai pas envie de l'allumer parce que, après tout, justement, ce matin, je suis pas venu là pour vous parler de moi, je suis pas venu là pour vous parler de ma gueule. Moi, je vais vous dire, depuis une quinzaine d'années, je suis retourné à la pratique religieuse chrétienne. J'ai appris le vrai sens de Noël. Noël, c'est la pauvreté évangélique, c'est-à-dire le dépouillement de soi. C'est pas du tout la société de consommation à outrance. Non, non, non. En fait, Noël, c'est le don de soi. Noël, disait l'abbé Pierre, c'est aussi la joie de donner à ceux qui n'ont rien. D'ailleurs, dans la rubrique info de cette vidéo, en dessous de moi là, j'adore faire ce geste, c'est vrai, je le fais souvent. Dans la rubrique info de cette vidéo, je vous ai laissé deux liens vers deux chansons, Les enfants sont Noël chantées par l'abbé Pierre et L'homme en rouge de Michel Polnareff, qui exprime la solitude le soir de Noël. Et cette solitude, elle est atroce le soir de Noël. Je pense souvent à ceux qui n'ont rien, à ceux qui sont seuls le soir de Noël. Et puis justement, au lieu de penser, j'ai préféré agir. Je préfère donner tout l'argent que je peux aux ONG à Noël. Je préfère donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. À ceux qui n'ont pas de cadeaux, à ceux qui n'ont pas de... aux oubliés de Noël, en gros. Je préfère donner aux oubliés de Noël, à ceux qui ont faim dans le monde, à ceux qui souffrent de la maladie, à ceux qui souffrent de l'isolement. Je préfère visiter ces gens-là. Je préfère passer un Noël altruiste, parce que pour moi, Noël, c'est ça. Le joyeux Noël, il est là. Tu dois faire preuve d'altruisme, de civisme. Et je pense que finalement, qu'est-ce qui compte à Noël? C'est le don de soi pour les autres. Mais pas la société de consommation en outrance. Ça sert à rien d'attendre plein de cadeaux pour soi le soir de Noël, ou ça sert à rien de gâter uniquement son entourage direct. Justement, parlons-en de l'entourage. J'ai eu beaucoup de chance, parce que dans mon entourage direct, parmi mes plus proches, beaucoup ont accepté de me suivre dans ce délire. Et justement, ensemble, nous passons Noël dans la vraie joie de Noël. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à ceux qui n'ont rien, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'eau potable. Et justement, avec mes plus proches, on a décidé d'être en quelque sorte le Père Noël de ces gens-là. Et voilà, on est tellement plus heureux quand on donne tout pour les autres, pour ceux qui ne sont rien, pour ceux, oulala, pardon, dérapage monumental de cette vidéo. En plus, j'y ai souvent pensé. On fait un coucou à notre glorieux président Emmanuel Macron, qui s'est vanté de ceux qui ne sont rien. Mais justement, je suis fier, avec mon gilet jaune qui est dans mon dos, d'avoir combattu Monsieur Macron sur tous les plans. Donc, pendant que beaucoup se gavent de nourriture, de bouffe et de cadeaux à la con le soir de Noël, je suis de ceux qui préfèrent donner à ceux qui n'ont pas grand-chose. J'ai pas dit qu'ils ne sont rien, j'ai dit qu'ils n'ont rien. Et justement, comment peut-on fêter Noël? Comment peut-on être fondamentalement heureux alors qu'on sait que tant d'autres sont dans la souffrance? Michel Berger et Coluche, qu'on ne présente plus, disaient, dans la vie terrestre, hormis le fait d'être heureux, tout est possible. Hormis le fait d'être heureux, tout est possible dans cette vie. Ça veut dire que tu peux pas être fondamentalement heureux ici-bas, puisque tu sais qu'il y a toujours des gens dans le besoin. Si c'est pas toi qui appelle au secours, ce sera quelqu'un d'autre. Enfin bon, il y a toujours quelqu'un qui a mal aux dents quelque part,
Et justement, Noël, il faut essayer de soulager la douleur plutôt que l'accentuer ou faire preuve d'indifférence cruelle et meurtrière. Donc à Noël, je vous conseille vivement de donner tout ce que vous pouvez, du temps et de l'argent, à des gens qui sont dans le besoin, à des gens qui sont pauvres chez eux, seuls, isolés, ou simplement passer Noël dans la sobriété. Parce que le petit Jésus, il a dit, je suis venu à Noël, le divin enfant est né, super, mais il est né dans une crèche, dans une étable, pour nous enseigner que la vraie richesse, c'est le partage, c'est le don de soi, c'est la générosité, c'est pas du tout les grands palaces, c'est pas du tout la féerie de Noël telle qu'on nous la présente dans les médias. Goûtez à la magie de Noël, gavez-vous, disent les médias. Eh ben non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Je m'excuse pour ce lapsus révélateur tout à l'heure avec Macron. C'était bien involontaire de ma part, en fait, comme d'habitude. J'improvise totalement cette vidéo. Sans notes, sans fiche, sans rien. Mais quelle horreur quand même, cette solitude le soir de Noël. Ou ces gens qui sont entourés par des parents idiots, comme dans la chanson de Michel Polnareff, Flamant Rouge, que je vous propose de réécouter avec le lien présent ci-dessous. Voyez la rubrique info de la vidéo. Quelle horreur, ces gens seuls le soir de Noël ou entourés par des gens idiots. Y a rien de pire, la solitude est atroce, mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que quand vous avez affaire à des gens idiots, des familles débiles, ça fait mal au cœur. Être entouré d'une famille débile, où tout le monde se tire la gueule, où tout le monde se tire dans les pattes, ça fait pas plaisir, c'est clair. Alors, joyeux Noël à tous. Autant que faire se peut. Il fallait que je parle, parce qu'après tout, bon, je sais que je suis pas le Père Noël sexy que certains voudraient avoir, mais bon, ma vie vaut aussi bien que celle d'un autre. Ma vie a autant de valeur qu'une autre, et j'ai décidé de parler plutôt que de me taire. J'ai beaucoup aimé. Tiens, ça me donne une idée. Je vais rajouter dans la rubrique info de la vidéo, je vais rajouter le lien vers la chanson de Patrick Bruel. Alors regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. L'esprit de Noël, c'est ça. Il faut donner à ceux qui n'ont rien. À ceux qui sont dans la détresse, dans le besoin. Je pense que le message est passé. Je voudrais que la vie change. Je ne sais pas comment refaire le monde, je n'ai pas la solution, mais je pense que déjà si on peut se libérer de son égoïsme pour donner aux autres, ça fera beaucoup de bien. Joyeux Noël à tous et à toutes. Conclusion, la vidéo se termine. 8 minutes 30 quand même. Il est 8h48 en ce 17 décembre 2018. Et j'ai été content de vous parler. Je pense malheureusement que cette vidéo n'aura pas beaucoup de succès, mais au moins j'aurais essayé de faire bouger les lignes. Et ça fait du bien d'essayer. Donne ton fric à ceux qui n'ont rien le soir de Noël. Visite des malheureux. Visite des gens seuls. Tu verras comme ça te change la vie. À bon entendeur. Salut. Joyeux Noël.